bien, salut à tous les amis, c'est MrGuy51 et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le début d'un tout nouvel let's play sur Roller Coaster Tycoon World Deluxe Edition en Early Access. Donc Roller Coaster Tycoon World, c'est le quatrième opus de la saga Roller Coaster Tycoon. Roller Coaster Tycoon qui est un jeu de gestion de parc d'attractions, donc qui se rapproche un peu de nos limites pour ces montagnes russes, hein, bien sûr, mais là c'est vraiment global et c'est vraiment un parc d'attractions qu'on va gérer et pas simplement des montagnes russes qu'on va construire. Donc ce jeu là est sorti le 30 mars, donc il n'y a pas très longtemps, hein, donc j'ai réussi à l'avoir. Donc ouais, ce jeu, j'ai vraiment envie de le faire avec vous, hein, de faire un let's play. C'est vraiment un jeu génial, bah, vous allez voir, hein. On va commencer tout de suite dans la campagne. Donc la campagne, il y a 5 parcs qui s'offrent à nous. On va prendre le premier, hein, qu'on soit bien. Donc voilà, démarrer la campagne. Donc ouais, ce jeu, franchement, il est vraiment super cool. On peut vraiment tout créer de nos propres mains. Même les montagnes russes, maintenant, on peut les faire nous-mêmes et pas avoir un outil spécial où on peut faire des tournants déjà créés, ou là on peut vraiment faire, c'est comme nos limites, on peut faire ce qu'on veut. Mais je vais quand même utiliser l'outil pour faire les trucs déjà créés, parce que c'est quand même assez pratique et ils sont assez bien faits. Donc de toute façon, on aura l'occasion de reparler plus tard, hein. Pour l'instant, on va s'attaquer au parc dans sa globalité et pas qu'aux montagnes russes. On va attendre un peu les chargements. Et donc on arrive dans le parc. Donc on a notre entrée qui se trouve ici. Ouais, elle est vraiment super belle. Hein. C'est déjà mieux que Roller Coaster Tycoon 3. Je sais pas si vous y avez déjà joué, mais c'était pas terrible. Hein. Là, on peut voir qu'ils ont fait de gros progrès. Surtout qu'il est qu'en Early Access le jeu, donc c'est pas encore très complet. Donc on peut voir notre terrain. Tout ça, c'est notre terrain. Toutes les parcelles là. On aura l'occasion de l'agrandir par la suite. Hein, vous inquiétez pas. C'est vrai que c'est un peu petit là, mais on aura l'occasion de l'agrandir un peu. Donc, bienvenue sur Roller Coaster Tycoon World. Construisons quelque chose de génial, mais tout d'abord, petit magna, il faut apprendre à déplacer la caméra. Donc, on va faire les didacticiels au début, même si c'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Bon, on va faire ça, faites un zoom, faites pivoter la caméra. Voilà. Alors, on va... Ouais, c'est bon, il s'enlève tout seul, c'est cool. Pour l'instant, on n'a rien. On va peut-être mettre le parc en pause, pour pas qu'il y ait des visiteurs qui entrent et il n'y a rien dedans, quoi. Alors, manège, commençons à créer votre parc. Votre parc est vide, construisez donc des manèges pour attirer les visiteurs et les occuper. Montrez-moi. Sélectionnez un manège parmi les 3 catégories disponibles. Alors, on va en bas sur la barre des tâches. Manège, on va prendre un manège familial pour commencer. Alors, on a le choix entre guerre spatiale, anneau de Saturne ou chaise volante. Bon, on va prendre les chaises volantes, hein, c'est un classique dans les parcs d'attraction. Alors... Oula, ah, j'ai eu un petit bug de FPS, ça va, petit freeze. Alors on va le tourner un peu, hop, on va le tourner un petit peu comme ceci. Faut que je prenne un peu les commandes en main, c'est un peu compliqué. Hein. Hop, on va le mettre ici. Ça y est, félicitations, vous avez acheté votre premier manège familial. Alors, allez, faites marcher vos visiteurs. Les visiteurs seront impatients d'essayer les nouveaux manèges, les allées les aideront à se rendre là où ils veulent. Montrez-moi. Sélectionnez une allée droite ou incurvée dans une des 3 tailles disponibles, blablabla. Alors, allée et fil, on va prendre ici. Je pense que je ferai une entrée un peu plus belle que ça quand j'aurai tout de disponible. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la didacticielle pour que tout soit disponible en bas. Donc, on va faire ce qu'il nous dit de faire. Donc, on va faire des allées. Je sais pas trop ce qu'on va faire, hein. Le début, on va faire une petite entrée quand même un peu sympathique. Puis j'améliorerai par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre la grille. Hein. On fait G pour avoir la grille. Comme ça, ça met tout droit nos allées. C'est plus beau. Alors, on va faire ça comme ça. On va se mettre bien en face. Comme ça, comme ça. Hop, clic droit. Hop, voilà, nickel. Et là, on va faire un petit truc comme ça. Voilà, nickel. Ouais, pour l'instant, c'est juste des allées, hein, mais par la suite, on va faire quelque chose de mieux. Par contre, ouais... Ouais, si, c'est pas mal, en fait. On fait des petits... Je sais pas ce que c'est des octogones, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
8. Il me semble que c'est des octogones ou des hexagones, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout un peu. Donc maintenant, il faut faire des allées pour le manège en fait. Donc on va prendre dans file, donc c'est file d'attente, hein. Ouais, là c'est beaucoup plus petit. On va partir par là. Puis on va faire quelque chose de sympa. Hop, hop. Par contre, c'est rouge, j'aime pas du tout. Attendez, je prends le bulldozer, puis je vais enlever ça parce que c'est vraiment pas terrible. On va changer la file d'attente parce que ouais, c'est. J'aime pas trop. Hop, on va prendre quoi? On va prendre un file d'attente standard. Je sais pas ce que ça donne. Ouais, on va garder ça, on va garder ça. C'est bien pour le début, hein. Hop, on va faire un truc au pif. Je vous avoue que je suis un peu au pif là. Hop, voilà, on rejoint. Maintenant, on va prendre une allée incurvée pour pour la sortie du manège. Hop. Je vais prendre bah, ce qui me. Ouais, c'est bon, il l'a pris. Hop, on clique. On va faire comme ça. Comme ça. Hop, nickel. Voilà, c'est bien. Pour un début, c'est pas mal. Donc après, il me semble qu'il faut ouvrir le manège. Donc on va le mettre un peu plus cher. On va le mettre à 2$. Et on va ouvrir. Donc on va peut-être ouvrir notre parc. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis en pause, c'est pour ça. Je me disais aussi. Je pensais que notre parc il était fermé, mais c'est juste que j'avais mis en pause. Donc normalement notre objectif va être accompli. Je sais plus. Ah bah non, c'est nouveau. On dirait que vos visiteurs ne peuvent pas accéder au manège, nous arrangeons ça. Ah, c'est bon, je l'ai fait ça. Je l'ai fait. Attendez. Votre parc. Oui, bah c'est bon, on va faire un autre manège puisqu'il nous demande de le faire. Votre parc est vide, construisez donc des manèges pour attirer les visiteurs et les occuper. Bah, je l'ai déjà fait ça. Attendez. Ouais. Modifier le prix à volonté. Ouais, c'est bon, je vais le remettre à 2$. Et bah c'est bon, il est ouvert. Il est ouvert. Moi c'est bon, on a les décors maintenant, donc je pense que je vais faire une petite entrée sympathique. Je pense que je vais faire un petit timelapse pour commencer, puis pour faire l'entrée un peu. Et puis ben on se retrouve juste après. Donc c'est parti. Yop les gars, donc on se retrouve juste après que j'ai fait une petite entrée bon, normale, hein, sympathique. Donc je pense que je vais attendre d'avoir l'outil de modifier le terrain pour mettre de l'eau ici et ici. Bon, un petit peu, hein, pas beaucoup, mais juste histoire que ce soit un peu plus beau.
Et donc maintenant on va arrêter de s'attaquer au décor juste avant que je mette quelques gros arbres, je vais les appeler comme ça, hein. Genre des érables, pour que ça prenne un peu plus de place et que ce soit pas trop vide, on va dire. On va en mettre là, ouais c'est bien. Ici. Et il faut savoir que quand on met des décors à côté du manège, l'excitation augmente. Donc ce qui va, comment dire, attirer plus de visiteurs. Donc ça nous fera plus de fric en gros. voilà. Donc on va continuer un peu les manèges et surtout les bâtiments parce que ça va être hyper important ça. En premier on va mettre le personnel, c'est vraiment limite le plus important. Donc on va mettre le local des médecins. On va mettre tous les bâtiments personnels par ici, parce que par ici je vais mettre des manèges, donc c'est surtout près des manèges qu'il faut les mettre et assez près des gens. Donc je vais les mettre là, là et le comédien non merci. On va mettre ce qui est essentiel pour l'instant parce que les sous on n'est pas encore là. Donc on va attendre d'avoir un peu de sous pour pouvoir se permettre d'acheter quelques trucs un peu facultatifs. Donc on va mettre des allées bien sûr. Alors allée droite, on va mettre l'hexagone machin truc rouge. On va mettre en allée droite. On peut pas mettre en moyenne. Alors ouais c'est ça le problème. En fait on va tout mettre en petit ici. Je vais enlever les arbres là qui nous gênent. Hop. Et après on va mettre en moyenne pour que qu'il puisse y avoir plus de monde dessus. Pour qu'il puisse passer tranquillement sans que le parc soit bondé. Tu peux m'enlever ça s'il te plaît. Merci. Donc on va mettre en un peu plus grand, on va mettre en moyen. Voilà. On va pas mettre en grand, ça sert à rien. Hop, on va passer par là. On va se mettre en incurvé. Ouais, ici. Nickel. Donc on va les ouvrir bien sûr. Ouvrir. Et le nombre d'employés, on va le mettre au maximum. Donc à 3 partout. Hop. Et hop. Donc on est bien là, on est plutôt bien. Notre manège, il fonctionne bien. Il y a beaucoup de monde ou pas? Oh ça va, c'est normal. Donc on va mettre des bâtiments dans l'alimentation et tout. Les manèges, c'est un peu... on va mettre ça à part parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de sous. Hein. Donc pour l'instant, on va mettre ce qui est obligatoirement... ce qu'il faut mettre obligatoirement, c'est ça que je voulais dire. On va mettre en placement auto. Le placement auto, faut appuyer sur N hein, pour ceux qui veulent savoir. Comme ça, ça se met plus facilement. Je vais juste essayer de le mettre, s'il vous plaît. Là, ça doit pas être en placement auto, je pense. Ah, si, c'est en placement auto. Donc, vous mettez sur N si vous voulez que ça se place automatiquement et que ce soit plus facile pour vous. Hop, on va le tourner. Hop. Et surtout, ne pas oublier les toilettes. Hein, parce que sinon, on est un peu dans le caca. Hop. On va tourner ça comme ça. Un peu chiant à mettre. On va pas le mettre en plein milieu du parc, ça fait un peu bizarre. On va le mettre là, les toilettes. Hop, ici. Ouvrir, on va pas faire payer les toilettes parce qu'ils sont un peu vénères sinon les habitants, j'allais dire les visiteurs. Hop. Voilà, bah, on est plutôt bien pour l'instant. Donc on va mettre un peu plus de manège. On a assez de sous là. On va mettre des petits manèges. On va mettre un petit manège junior pour le fun. On va mettre un grand toboggan. Ça prend un peu de place, mais bon, c'est cool. On va mettre un manège ici, comme ça les gens ils viendront et comme ça ils viendront genre vers la toilette pour pas qu'ils disent où sont les toilettes. Donc voilà, c'est plutôt une bonne astuce, je trouve. On va le mettre. Où c'est qu'on va le mettre? Comme ça? Ouais, comme ça c'est bien. Attendez. Non, je vais le déplacer. Parce que là, il est trop près des bâtiments, des services et tout. Puis, personne n'a envie de voir les services. Donc, on va le mettre, genre, au bout, ici. Boum, comme ça. Maintenant, on va faire des petites allées. Et puis, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. Hein. Ce sera plutôt bien.
Hop. On va passer par là. Et par là. Et puis aussi par là. Pour qu'on ait un peu plus de gens qui viennent un peu dans tous les sens. On va se mettre en moyen. Je sais que c'est un peu moche, mais bon. On est bien obligé. Non, pas comme ça. Hop. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi tu veux pas? Ah oui, d'accord, c'est parce que j'avais pas fait... oui, voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on va mettre une file d'attente. Et puis, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. Allez, file. On va se mettre en file. Hop. C'était quoi déjà qu'on a pris? Oui, file d'attente standard. On va passer par là. Hop. Je suis un peu au pif, hein, je vous l'avoue. On va le mettre à l'intersection. Et puis, bah, ouais, on est pas mal. On va l'ouvrir. On va mettre à 1,75. Et je pense qu'on va augmenter le prix ici parce qu'il y a beaucoup de monde. Hop. Comme ça, on se fera plus de sous. Hein. C'est toujours plaisir. Il y a pas mal de monde là. On est à 237 visiteurs. Donc, ouais, on est plutôt bien. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à faire là. Placement auto sur la grille. Utilisez la grille pour vous aider à construire votre parc avec précision. Bon, je l'ai déjà fait. Hein. Je sais qu'il faut appuyer sur G, blablabla. Je vais le faire pour que... qu'il me l'enlève le machin. Déposer de décor en placement auto. Oh, la flemme. J'ai trop la flemme. Alors, du coup, j'espère qu'il m'a enlevé l'objectif. Le placement auto d'objet peut beaucoup vous aider. Oui, je sais, appuyer sur N, blablabla. Je l'ai déjà fait. Chaise volante 1 est très populaire. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Regardez tout le monde là qui a. Limite, ça peut être un peu agaçant parce que les gens après vont se plaindre qu'ils vont trop attendre. En même temps, s'ils remplissent pas tout le manège, c'est sûr que ça va pas le faire. Il y a même pas la moitié dans le manège. C'est abusé. Alors, toi, au revoir. On va créer un dernier manège. Et puis, ben, on sera bien. On sera très très bien même. Qu'est-ce qu'on va faire? Frisson aérien, tapis volant, flibustier ou pendule? On va faire le pendule. Parce que ça a l'air marrant. Assez, assez gros hein, quand même. Assez encombrant. On va le mettre plus vers le milieu pour que les gens soient plus attirés. Puis ici, je ferai une montagne russe dans le prochain épisode, je pense. Donc, on va la mettre là. Comme ça, on sera bien. Félicitations, machin. Alors, allez, et file. File d'attente, on va prendre, bien sûr. On va faire une grande file, parce que là, je pense qu'il y aura du monde hein, pour les manèges à sensation forte. Il y a en général beaucoup de monde. Hop, on va faire un truc comme ça. On va passer autour du manège. Hop. Boum. Et on va refaire un petit... serpentin sympathique. Hop, voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. On va prendre une allée moyenne, si tu veux bien. Non, il veut pas. Donc, on va prendre une petite. Hop, on va faire comme ça. Et maintenant, on prend moyenne. C'est ce qu'il faut faire, hein, de toute façon. Ça veut toujours pas. Pourquoi? Ok, tu veux pas. Alors... on va refaire petite alors hein, si tu veux pas hein, écoute, on va prendre la grille pour que ce soit plus simple. Voilà, nickel. Hop. Ah, il y a une petite montagne dégueu là. Ah, sale. Sale. Alors attendez, on va passer par ici en allée incurvée bien sûr. Hop. Non, hop, pas comme ça. Comme ça. J'ai des petits bugs là, c'est un peu chiant. Voilà, nickel. Et puis là, on va faire en moyenne, si tu veux bien. Oui, c'est bon ça. Ça veut bien. Non, ça veut pas. Pourquoi? Angle quoi? Angle trop... Oui, mais là, il n'y a pas d'angle. Oh. C'est un peu embêtant. Dès que je commence à faire mon angle, ça veut pas. Bon, on va mettre en allée droite, hein, tant pis. Écoute, si tu veux pas, tu veux pas. Et il veut toujours pas. Mais t'es sérieux là? Attends. C'est un peu chiant quand même. Hein. Un peu.
Tant pis, on va faire un petit. Il veut bien en petit. Il veut bien. Donc on va laisser comme ça. Voilà, on est bien. On va ouvrir le manège et puis je pense qu'on va se laisser là pour ce premier épisode. Qui aura été très cool. Hein. Je vais pas vous mentir. Première impression du jeu, franchement, c'est ouais. Franchement pas mal. Hein. J'ai pu le tester un petit peu, mais pas beaucoup. Là, je le teste vraiment. Et franchement, ouais, il est bon. Il est bon. Il a du potentiel. Alors. On va le mettre à 2,50. Hein, parce que nous, on veut du fric, bien sûr. Dans le prochain épisode, je pense. Ah ouais, déjà qu'on va mettre plus de lampadaires parce qu'il y en a qu'à l'entrée. Ils sont vachement beaux ces lampadaires là. Ouais, ils sont super beaux. Par contre c'est un peu chiant parce que les lampadaires j'aurais bien voulu en mettre un là. Mais ça voulait pas. Je vais réessayer mais ça voulait pas tout à l'heure donc je pense pas que ça veuille maintenant. Hein. Ouais non, il veut pas, j'enlève le placement auto, même pas ça. Un peu embêtant. Mais de toute façon la nuit ça dure pas très longtemps donc c'est pas non plus... très, très grave. Donc dans le prochain épisode on va mettre un peu plus de lampadaires déjà. On va qu'est ce qu'on va faire, on va mettre un grand 8 je pense, hein, on va mettre une petite montagne russe tranquille et puis on va mettre un peu d'eau ici puis bah, on va continuer de parc tranquillement hein. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah sinon je vous dis salut à tous et à la prochaine.